En troisième position, nous avons la rose écarlate. La rose écarlate va savoir qui se cache sous le masque du renard. Le renard, c'est quelqu'un qui se prénomme le renard. C'est un peu un Robin des Bois en fait. Il vole aux riches pour donner aux pauvres. Et elle va découvrir qui est-il en vérité. J'adore cette BD car il y a beaucoup de suspense et c'est très palpitant. En deuxième position, j'ai choisi Princesse Sarah. L'histoire est super bien écrite. Les mots ont bien été choisis. Et les dessins sont splendides. Une histoire où il n'y a pas de temps mort. C'est vraiment génial. J'adore. Et maintenant, en première position, nous avons... Tremblement de tambour. Enola Holmes. Les dessins sont fascinants. Ils sont extraordinaires. Merveilleux. Tout ce que vous voulez, ils sont incroyables. Je suis une grande fan des dessins de Serena Blanco, parce que c'est elle qui a repris la BD du roman de Nancy Spungler. J'ai autant aimé le roman que la bande dessinée.